J'ai envie de vous demander si, de façon très sincère, vous pensez vraiment que demain sera différent d'hier? Et est-ce que c'est l'apocalypse, une sorte de monde apocalyptique qui nous attend? Ou est-ce que le futur est fait d'éléments porteurs d'espoir? Vous savez que la guerre de 14 était totalement inattendue. Un accident à Sarajevo a provoqué, mis le feu aux poudres. Par contre, la guerre de 39 était plus ou moins attendue, mais vous pensez que le pacte germano-soviétique qui l'a permise était tout à fait inattendu. Donc, si vous voulez, je pense qu'on ne peut pas écarter les risques majeurs, les plus barbares. Mais dans l'incertitude où nous sommes, et dans le fait que souvent, ce n'est pas le probable qui se produit, mais l'improbable, ce qui est arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale, je pense que l'on peut penser que des conditions de développement de forces salutaires à partir d'une nouvelle pensée politique, d'une nouvelle voie, que ceci peut avoir des chances d'épargner à la planète le pire et peut-être de créer des conditions meilleures, pas le meilleur des mondes incontestablement, mais quand même un monde un peu où on pourrait un peu moins mal vivre, je le crois, et si quelque chose se développe, il est évident que j'aimerais y participer.